nous saluer et nous vraiment contents. C'est un privilège que l'Éternel, le Yahweh, ben non, pour nous adresser petit lit dans nos paroles. C'est pour nous, c'est pour gloire, parce que c'est nous qui nous glorifions. Jésus, que nous se servir avec tout cœur, nous saluer, nous. Dans nos Yeshua, nous saluer, nous. Que grâce, bon Dieu, répande sur nous. Nous saluer, nous. Ses serviteurs, Fritz, Pierre, Daniel, Jesse. Bon, qui connaît sous le nom de prophète Daniel, vient adresser nous pour Seigneur. Parce que c'est un moment spécial. C'est un jour de fête. Un jour que nous avons pompé, nous avons marché. C'est un jour tout de décision pour certains mondes. C'est un jour que Yahweh prend mettre son sous petit lit. Nous pas qu'à perdre l'occasion ça. Moi-même avec vous. Nous pas qu'à perdre l'occasion ça si Yahweh invite nous pour le mettre seul sous nous. Que nous Yahweh béni, exalté, magnifié. Puis nous adressons-nous dans le juillet ça. Yahweh convoque nous pour action de grâce. À nous prier. Yahweh, papa chéri, que nous bénis, que nous exaltés, que nous magnifiés. Vous méritez toute gloire. Vous méritez toute louange. Même si vous ne demandez pas de voir nous comme serviteurs et servantes pour belle bagaille ça vous fait en Haïti, il faut nous venir devant face. Pour nous louer, pour nous exalter, pour nous magnifier et pour nous dire merci. Merci Seigneur pour compassion. C'est compassion qui fait merveille ça. De commencer en Haïti. Et nous dit commencer parce que de jour en jour, nous fait carré merveille. Yahweh a fait. C'est ça qui fait que, il dit que, non, Haïti, pape, la perle des Antilles, mais non, Haïti, a merveille pour ça, le bras le fait de Haïti. Je dis, on a bloué, on a exalté, on a maïfié, parce que non, le grand. Que l'Esprit de Dieu accompagne nous dans la mission ça. Dans le nom de Yeshua, à Mashiach, nous prions. Amen. Oui, bien-aimés. Journée action de grâce. Journée action de grâce, l'important pour moi-même avec vous. Parce que grâce là, c'est un gros mot pour qu'on parle là. Parce que grâce là, signification c'est pardon. Action de grâce, lui-même. Signification, c'est remerciement pour tout ça Yahweh fait pour nous. Songez bien, action de grâce, c'est remerciement. Joie et louange à Yahweh pour tout ça il fait pour nous. L'important pour me dire non, prends plus mes papiers. L'important pour me parler avec nous. L'important pour me faire nous comprendre que Yahweh est sérieux dans tout ça. Et pour nous développer sujet ça matin, qu'est-ce qui a mené nous à l'action de grâce?
C'est question ça, on était capable de poser. Qui ça mène nous à l'action de grâce? Pour ma action de grâce, gagner un autre parcours pour venir arriver dans le moment action de grâce. Eh bien, nous pas capable de parler de l'action de grâce là. Sans que nous pas parler, moi-même avec vous, côté nous sortir. D'où sommes-nous venus? Oui, dans Genèse, chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3, il y a englobé vraiment. Qui est-ce nous y est? Côté nous sortis. Yahweh décidé avec tout petit garçon pour dire que l'a créé l'homme à son image, à ressemblance. Et elle dit ça, gagné être dans le ciel là, qui fâché, qui jaloux de création, Yahweh pour le faire. Parce que yo te vle dans le conseil là, yo te vle faire partie pour participer dans la création Yahweh pour le faire. Parce que Yahweh pas invité yo, il fait plan avec Yahushua, petit garçon. Oui, la Genèse 1er, la Genèse 2, Genèse 3, on prend Genèse 1er, Genèse 2, de parler de création en entier. Nous ne pouvons pas le prendre en détail, nous ne pouvons pas le temps pour ça. De parler de création en entier. Jusqu'à la création de l'homme. Il dit, et c'est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On a fait l'homme pour le sembler à nous. Et le Yahweh dit ça. Il mettait là l'action. Vraiment, il fait l'homme. Et là, il fait l'homme, non? Donc, tout connaît selon l'histoire. C'est à partir de poussière, il fait l'homme. Qui mélange à l'eau, il fait la bois. Ensuite, il met souffle par l'homme. Qui est le souffle de vie. Et l'homme bouge. Mais la bois, il bouge. Il a pompé. Il a parlé. Il a fait toute bagaille. Il va prendre le retrait dans le détail avant. Ça crée, ça qui fait dans Maslabou, ça a l'air debout. Mais c'est le seul bagaille. Maslabou, l'eau souffle là. Et sous ça qui souffle dans l'homme là, il mettait oxygène dans lui. Il balzo, il balzène. Il crée tout l'autre organe qui n'a encore être humain. Souffle là, oui. Il crée tout l'autre organe. Quand il charge, on regarde à partir du souffle là. Alors, Yahweh fait nous selon lui-même. Oui, mais l'homme recevoir l'ordre de Yahweh, comment vous le comprenez là? Il n'a pas respecté l'ordre là. Il désobéit. Il désobéit. Et ça qui fait le désobéir, Satan qui vient pousser le désobéir, parce que Satan jaloux de création. Satan vient balmentir. Et le Satan balmentir, parce que songez, Satan, c'est au esprit que lié. Comprenez, il est capable de promener partout. L'inanciel, il sous terre, il vient, tenter Adam et Ève faire au péché. Et là, au péché, ils ont désobéi Yahweh. Là, ils ont désobéi. Mais Yahweh te bat un avertissement à propos de Ab qui est dans le jardin. Il dit, nous, tout Ab ça, tout fils ça, nous avons mangé dans tout. Mais Ab, fils ça, fils ça, connaissance du bien et du mal, nous ne pouvons pas toucher. C'est lui, Satan, qui fait ça. Pour Satan, pousser, à le prendre fuir. Il a désobéi Yahweh et Yahweh te dit qu'il n'a pas touché. Et Yahweh te dit que depuis qu'il a touché, il a mouru. Alors, l'homme fait, après un coup de durée,
Nous pas qu'à évaluer, il y a oui pas dit non. Il désobéit. Il pas suivre ça, Yahweh dit. Il y a le côté Satan. Parce que Satan jaloux. Il fait l'homme désobéir, Yahweh. Et Yahweh lui-même, la compassion parle. Il te dit qu'il va mourir. Eh bien, Yahweh chasse déjà des Eden. Il chasse yo. Et ça le fait pour yo. Ok? Yahweh présente le premier sacrifice là. Avec Wayo sans défaut, il présente pour chair. Pour yo, capable de pardon pour péché. C'est Yahweh qui fait yo. Yo fin fait péché yo. Mais Yahweh lui-même lui offre yo pour pardonner yo. Qui fait le sacrifice. Il montre comment pour faire sacrifice. Ou ayo sans défaut. Yo ayo sans défaut. Mes côtés, dégâts. Vous comprenez? Mes côtés nous sortis. Mes descendants qui s'ennuyent. Nous descendants, vous comprenez? Adam et Ève qui désobéit à Yahweh. Mais là, nous descendants de Adam et Ève. Qui désobéit à Yahweh, eh bien, sans Adam et Ève, vient rentrer dans, vient former nous tout. Sauf Adam et Ève, vient former nous. Parce que après Adam, s'il vous plaît, pas après Ève, après Adam, l'Éternel pas mette souffle encore dans aucun être humain, dans aucun labou pour faire tourner un être vivant. C'est Adam qui recevra souffle là, et souffle qui sortit dans Adam, depuis la création, il est parvenu jusqu'à nous-mêmes. Sans qu'il n'a Adam, il est parvenu jusqu'à nous-mêmes. Yahweh n'a pas fait encore notre création. Si tu fais notre création, Adam et Ève t'ont fini, ils t'ont parti de création sans pas péché pour venir à nous-mêmes. Mais il voulait remontrer Satan la portée, la victoire sous lui. Il servit avec ça, Satan fait de mal là. Il voulait changer. C'est ça qui fait que il fait plein avec Yeshua. En vrai, depuis avant création monde, là, il fait plein avec Yeshua. Si il y a un problème arrivé, si il y a une désobéissance, comment on a fait? Yeshua prend plaisir pour lui dire, eh bien, si il y a une désobéissance, eh bien, oui, ou qu'on a yo, mais a yo a, que tu es a, sans a yo a, pas pur, parce que toute bête sa yo, yo devenu de Adam qui péchait, ce qui veut dire pas qu'il y a qui pur encore à partir du péché Adam sous terre. Parce que Adam, c'est lui qui est gérant. Hein? Après, bon Dieu, c'est Adam responsable qui fait toute terre souillée. C'était une forme à y atteler. Parce que le sang animal n'a pas qu'à effacer le péché. C'est ça qui fait que dans Hébreux 9, verset 22, on prend ça qui dit dans Hébreu 9, verset 22, libelle. Et là, nous disons libelle, il doit aider nous pour nous réfléchir en pile. Hébreu 9, verset 22. Hébreu 9, verset 22, qui ça dit nous? Ok, il dit selon la loi. Presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que c'était contrat, bon Dieu, fait selon la loi. Tout ça doit purifier, il doit purifier avec sang. Mais sans effusion de sang, pas de pardon. Si sans effusion de sang, pas de pardon, qui fait que il était obligé de tuer agneau. Ok? Pour verser sang pour Adam et Ève, pour pardon. Mais ce animal-là, pas qu'à remplacer être humain.
sans animal là pas qu'à remplacer être humain. Qui fait c'est ça qui passe, qui fait que peuple a tombé multiplié, il a multiplié, il a continué à pécher, il a fait ça qui pas bon. Qu'on y a là, Yahweh fait le fond nettoyage, il voit des luges. Elle voit des luges là, c'est Noé qui était en tête pour préparer le bateau. Eh bien, elle voit des luges là. Ça passe. Nettoyage fait. Il y était combien de monde? 8 monde seulement. 8 monde seulement qui étaient dans des luges là. Noé, madame, ni. Trois petites garçons, madame, trois petites garçons. 8 monde. Baguette pour nous parler de nombre sacré ça. Qui est les 8 ça? Même qu'à Bruxelles, 8 ça signifie que non Yahweh, qui a 4 lettres là-dedans. Dans la langue hébreu, chaque lettre a un nombre. L'on additionne. 4 lettres ça yo. En fin de compte, qui chiffre ou joigne? 8. C'est bon. Ok, c'est pour coïncidence. Non, Yahweh, non, blabay. 8. En fin de compte, mais combien de monde qui sauvé? Dans l'achma? 8. Qui fait ces 8 monde ça qui répartit pour multiplier? Faire la terre. C'est 8 personnes qui multiplient, qui fait la terre développer, qui fait la terre aller de l'avant. 8 personnes qui sont importantes. C'est eux qui viennent peupler la terre. Et les viennent peupler la terre, Yahweh lui-même, il vient faire une alliance avec Abraham. Parce que dans le pays Abraham, il y a une idolâtrie. On y a tendance tout genre d'idolâtrie, faux Dieu. Mais l'Éternel choisit Abraham pour le mettre là-bas pour le faire alliance avec elle. Qui fait l'Éternel tellement aimer l'humanité, il ne va pas quitter l'humanité perdue. Selon Isaïe 53, verset 6, il dit, nous étions tous errants. Errants, ça veut dire, n'a fait route à droite, route à gauche, même qu'on côté de pas aller, nous étions dans la confusion. Mais l'Éternel lui-même, il choisit Abraham, il fait route avec Abraham. Et c'est de Abraham, de Isaac, de Jacob, 12 tribus d'Israël, la vie faite. C'est Jacob que l'Éternel t'a changé non en Israël. 12 petits garçons, 12 tribus. Et de 12 tribus, ça y est, on prend qui peuplé comme peuple, mon Dieu. Et vous peuplé. Et l'Éternel fait un pile miracle avec vous. Et l'Éternel lui-même, à partir de là, on prend, là, il fait alliance avec Abraham. Alliance a développé. Alliance a vini, dérivé. Parce que, bon, date qui te mette, pour Yahushua, te remplacer animal là. Je te continue pour me racheter nous. Hein. La période l'arrivée, la date l'arrivée. Yahushua, ou Yeshua, l'est venu, l'est mouru dans la place tout le monde qui péchait pour couvrir l'humanité. Parce que sans parler, sont sans pur. Qui pas de péché la donne parce que Yahushua pas venu des descendants Adam. Parce que Yahushua pas venu des descendants Adam. Si Yahushua est venu descendant Adam, descendant you être humain, descendant Adam, Yahushua t'a fait un péché tout. Qui fait que Yahweh obligé de jouer une façon, limiter Yahushua en prendre. Non, votre mari qui fait Yahushua vini li fait sans péché. Sans péché. Parce que procéder Yahushua, ce n'est pas union l'homme et la femme, c'est Yahweh qui déposait
Yahushua dans votre mari. Et même là Yahushua développé dans votre mari, il pas gagné un cordon ombilical parce que mari pas capable nourrir Yahushua. S'il te nourrit Yahushua t'a sorti à pêcher tout. Et ça fait Yahweh te continuer voyer esprit li pour nourrir Yahushua, pour Yahushua développer jusqu'à ce qu'il fait. Yahushua vini, il fait sans péché. Il y aurait le deuxième Adam. Premier Adam, pas de lombric. Deuxième Adam, tout, il pas de lombric. Parce qu'il pas de cordon ombilical qui connecte lui avec Marie. Il pas de lombric. Alors, mais ça, Yahweh fait. La grandeur, la puissance. Et le Yahushua vini, dans Hébreu 10, 5 à 18, Yahushua a parlé avec papa. Il dit, c'est pour ça. Pendant que tu es dans le monde, là, mais ça crise. Ou pas de ni offrande, ni sacrifice, mais ou forme un corps à moi-même. Et ou pas accepter holocauste, ou pas accepter sacrifice pour le péché. Moi-même, même vini dans le livre là qui est écrit pour moi, pour me faire, oh Dieu, volonté. Mais ça, Yahushua dit, pour le faire volonté, mon Dieu, parce qu'il a besoin de pardonner les hommes. Il dit encore, ou pas vle, ou pas ta créer sacrifice, offrande, holocauste, ni sacrifice pour le péché. Même là, yote offri selon la loi. Alors, moi dis, même vini pour me faire volonté. Alors, li aboli premier culte là, li établi deuxième nan. Ce qui veut dire que li aboli sacrifice agneau qu'il y a là lui-même c'est lui qui prend place sacrifice là comme moi yo sans défaut sans tache pour sauver moi-même à vous-même. OK, selon la loi. Li aboli première, ça veut dire que ça te qu'on fait avec agneau ti animal là, il va faire encore. Il dit c'est ça fait, c'est par rapport à volonté ça que nous-mêmes les hommes nous sanctifions par offrande du corps de Jésus-Christ et nous sanctifions une fois pour toutes. Sanctifier une fois pour toutes. Il dit mais Jésus-Christ, la fille présentée le seul sacrifice pour le péché, la chita a perpétuité pour toujours à la droite papale. Il n'y a pas de sacrifice à l'offre tout le temps. Par le seul sacrifice, il rend parfait pour toujours tout le monde qui vient joindre Yahweh. Parce que le Saint-Esprit a testé, le Saint-Esprit a assisté. Et l'idée dans verset 16, Hébreux 10, verset 16, mais alliance que me traite avec eux, après jour ça, dit le Seigneur, m'a mette loi dans le cœur, m'a écrit dans l'intelligence, et m'a pas rappelé encore de péché, ni iniquité, parce que il dit qui côté qui gagne pardon pour péché, nous pas besoin offrande pour péché. Pardon pour péché a déjà bon côté Yahweh. Yahushua qui te vient offrir sang, qui vient offrir vie, qui offrit tête en sacrifice pour un baver. Li bon côté papa, li représente pardon. Et ça fait tout comme ça. Côté qui gagne pardon pour péché, nous pas besoin offrande pour péché. Pas de offrande encore, pas de sacrifice encore. À cause de la mort de Yahushua qui mourit sur le bois infâme du calvaire
pour moi-même avant. Li racheté nous sur la croix. Li racheté nous. De présenter nos messages déjà, comment sacrifice a été fait, et comment le souffrir, et comment papa li, on prend papa te en temps avec elle, elle était sur la croix. Il m'a même montré nous comment c'est papa sur la croix avec elle. Parce que li di moun ki wè pa ou moun ki wèm yo wè papa mwen nan papa nan mwen même papa m fè ou sèl alors Yahweh te trouvé sur la croix pendant Yahushua sur la croix Yahweh trouvé sur la croix yo fè ou sèl mais yo sur la croix pour ki ça pour l'homme pécheur mais li sur la croix pour l'homme pécheur. Alors, mais ça y a oui fait pour moi et ma mère. Comprendre ça, frère, moi. Comprendre ça, ce moi. Y a oui fait pour moi-même à verre. A continuer avec ce sujet, non. C'est une beauté qui est dans ce sujet. À verre, il sacrifie propre petit lui. Pour le racheter moi-même à verre. Je dis à fond, nous comprendre. Si le fin racheté nous t'es errant, selon Isaïe 53, verset 6. Selon 1 Pierre 2, verset 25. Et c'est même ça qui rapporte dans Isaïe. Hein. C'est ça que unique Éthiopien, une grande tête tapli. Le Yahweh demande Philippe déplacé parce que Goué ni kapli ou bagali pa comprendre pour expliquer. Et Yahweh fait Philippe disparaître. Là, le côté Niklan, laisse-le finir expliquer le passage, Esaïe ça. Quel kapli à acte 4, verset 8. Et Niklan accepte baptisé. L'a accepte baptisé. Le Philippe fin baptisé. Et Niklan cherche Philippe Libarel. Philippe disparaît. Là, la mission dans l'autre ville. Nous est Yahweh, c'est merveilleux, marcher fait avec disciples. Jésus tourne merveille pour nous. Alors, là, nous joignons tout avantage ça. Là, nous tout joignons tout important ça, moi-même avec vous. Pour petit préféré Yahweh, qui te trône, il vient mourir dans la place, moi. Il vient mourir dans la place. Qui est souillé? Qui est souillé? Qui va l'or gagner? Mes amis, côté l'amour, ça a sorti. Son l'amour qui est profond. Son l'amour qui est belle. Je dis à Gadeau là, ou attendez message, ou attendez ça l'éternel fait pour vous, ou attendez ça créateur fait pour vous. Ou attendez ça, papa, mon Dieu, fait pour vous. Mais ou même qui sorti. Mais le réunit petit li aujourd'hui. Hein? Le réunit, on dit, on vini devant face moi. Pour nous faire action de grâce pour moi. Mais pour qui raison pour nous faire action de grâce à frère moi? Parce que Yahweh a des compassion pour Haïti. Yahweh gen compassion, la cherche peuple haïtien, ka ben nan idolâtrie, ka ben nan la boue du péché, ka ben nan magie, ka ben nan vodou. Éternel veut sortir. El voye disciple nan tout pays a la. Pour chercher moun ki vle servi Yahweh. En pile moun répond. Puisque 1,500,000 moun répond. Yo répond pour yo servir Yahweh. Yo répond à appel Yahweh. Yahweh dit yo c'est Israélite yo yé, c'est descendant d'Abraham de sang que nous yé. Nous devons accepter. C'est Yahweh seul qui a nos vérités, tandis que colon t'a menti ba nous. Mais qu'on y a Yahweh dit nous descendant, moi même tourné 2008 ans. Yahweh dit moi oui, descendant d'autres tribus d'Israël. Moi, descendant d'autres tribus d'Israël. Et là, je dis ça, c'est là que je
qu'on y a m'embrasse cette mission. Content que j'ai oué parler avec nous, parler avec missionnaires, parler avec chaque monde, et monde lui révéler pour qu'il vienne joindre missionnaire du commandement pour recevoir baptême. Il y a l'église qui voyait, il y a mon individu qui voyait. Vin prendre baptême, vin associer nous, vin ranger nous avec MDC, missionnaire des 10 commandements. Ce n'est pas une religion. C'est l'Éternel qui mettait nous pour nous rassembler. Petite lion qui est fidèle, qui sincère, qui veut servir, pour embrasser 10 commandements. Et il dit lui, l'ordre dit du commandement ou l'autre monde. Non seulement je veux qu'on dise chaque matin, chaque soir, même à midi, autant qu'on a dit, mais il dit de pour dire, ou prendre le mettre dans la porte, ou bien garder, l'ennemi n'a pas qu'à approcher, l'ennemi a faut le camper loin, parce que ou nous en contact avec papa. Et du commandement, il y a assez gagné un privilège pour séparer l'ennemi de vous, parce que du commandement, c'est en prêt Yahweh. L'ennemi n'a pas franchi. L'ennemi qui te fait Adam et Ève péché en Éden, il n'a pas franchi du commandement. Son fauteur de troubles que lié. La mettre troubles, mais il n'a pas fait rien. Yahweh prend Jésus. Il crée tout ça, il crée. Il va mettre Satan là-dedans. Satan n'a pas créé. Satan a trompé. Avec fausse image. Parce qu'il a créé image à partir de l'esprit. Il a créé forme image. Alors, regardez où est. Où est. Mais son où est. Ce n'est pas une créature qu'il y a. Son image. Elle manifeste dans l'image là, il fait l'image à parler à petit Tintin, à petit Macacri. Eh bien bon, Yahweh vivant au siècle des siècles. Yahweh vivant au siècle des siècles. C'est défi pour Satan. Il pas qu'à franchir. Parce que là où même on a une relation à Yahweh, Satan pas qu'à franchir. Ce n'est pas deux mondes qui délivrent à partir des 10 commandements. Ce n'est pas deux témoignages qui gagnent à partir des 10 commandements. Parce que les gens répondent. Ils disent 10 commandements chaque matin, chaque soir. Satan courit. Parce qu'ils ont utilisé en prêt Yahweh. Ils ont mis l'emporte. Satan courit. Mais les gens ne sont pas mettre seulement dans la porte. Ils ont mis la fenêtre. Les gens qui prennent, ils ont mis dans chaque pièce. Yo recevoir ou du commandement ou poster du commandement qu'on y a yo même y a fait copie yo mette et gen moun ki fait copie ba l'autre moun tout parce qu'elle senti que li gon bénédiction la donne. C'est ça Yahweh m'a dit peuple Israël, peuple hébreu, peuple israélite là, Yahweh a fait appel à nous même nous tous haïtiens bon israélite nous y est. Si nous avons dit juif, nous avons dit bon juif que nous y sommes. Ça qu'en Israël, c'est européen qu'il y a en Israël. Mais nous-mêmes qui sommes éparpillés, selon Deutéronome 28, l'arrivée dans 64 à 68, on dit haïtien. L'arrivée dans Michel 7, on dit haïtien. Sous les yeux qu'on est, comment l'échange a été fait, colons en place là, allez dans 2 à 17. Frère Samuel, Yahweh remet nous. Yahweh remet nous. Je dis à la, ce jour qui est important, Yahweh sorti pour sceller toute petite li kabobéil qui voulait marcher avec elle. Et le sang de Yahushua, le sang de Jésus, li coulait pour sceller vous, pour gagner la vie éternelle, pour étirer nous. On prend esclave de Satan, mais pour mettre joie dans le canon avant Yahushua et tout. Oui, Yahushua,
Il rachetait l'humanité sur la croix. Sans verser pour moi-même à verre, tandis qu'elle n'a pas de péché. C'est le monde qui péchait, qui doit payer pour pécher. Lui-même n'est pas s'il prend place là. Pour le payer, pour pécher moi-même à verre. Pour avoir accès au trône de la grâce. C'est ça qui fait que nous jeunes pardon. C'est ça qui fait depuis le commencement de dire nous gracifie pardon. Nous jeunes pardon parce que Yahushua a payé pour nous. Et nous jeunes pardon parce que Yahushua a payé pour nous. Il faut nous remercier Yahweh pour ça. C'est ça qui aurait les actions de grâce. Nous fait action de grâce pour nous glorifier Yahweh, pour nous louer Yahweh, pour nous exalter Yahweh. Nous pomper, nous relais, nous dit Yahweh merci. C'est ça qu'action de grâce. C'est ça qu'action de grâce. Il y a plusieurs références des actions de grâce dans la Bible. Plusieurs références. Et références sont belles. Moi-même, à nous-mêmes, nous devons perdre du temps, garder référentiel, sa référentiel portée pour nous. Les belles, bien aimées, les belles. Parce que l'on a allé dans Apocalypse 4, verset 9 à 11. Apocalypse 4, verset 9 à 11. Ça, il dit. Il dit. Les êtres vivants, yo, abbaye gloire, abbaye honneur, abbaye action de grâce à celui qui est assis sur le trône, monde qui est sous le trône, Yahweh. Celui qui vit au siècle des siècles. Oui, monde qui est sous le trône, qui vit au siècle des siècles, n'abbaye gloire, n'abbaye action de grâce. Et nous 24 vieillards, ils prosternent les vols. Les mêmes qui sont sous trône. 24 anciens, ils adoré être capables de vivre au siècle des siècles. Yahweh. Ils prennent la couronne, ils jettent devant le trône et ils disent ça qu'on a adressé à Yahushua. Tu as dit, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle fut créée. Tendez ça, dit Yahweh. Ou dit, Seigneur Noir, Dieu Noir, pour recevoir gloire, honneur, puissance, parce qu'on crée toute bagaille, et c'est par volonté qu'elle existait. Et vous t'es crié. Amen. Non. Ce sont gros affaires pour moi-même avec vous. Ce sont gros affaires pour moi-même avec vous. Apocalypse 7, verset 11-12. Parce que, verset, yo frappant. Apocalypse 7, verset 11-12. Tendez ça, le dit. Tendez ça, le dit, action de grâce, oui. Il dit, et tout ange, ils ont campé autour du trône, anciens, quatre êtres vivants, ils ont tombé face contre terre devant le trône et ont adoré mon Dieu. Et ont dit, Amen. Ils ont dit qui ça? Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Mes amis, c'est beau. C'est vraiment beau pour nous louer Yahweh. C'est vraiment beau pour nous exalter Yahweh, pour nous dire merci. Moi-même, avec c'est deux fois nous. Faut nous dire merci. Faut nous dire merci à Yahweh. Parce que il fait pour nous. Il fait pour moi, il fait pour vous. L'Apocalypse 7, 11, 12, 12, 24 anciens, yo, ils étaient assis devant mon Dieu. Ils étaient assis sur le trône. Ils ont tombé face contre terre et adoré mon Dieu.
Et laisse à yo dit, la bonne grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Mes amis, quelle joie, nous devons remercier Yahweh pour bien faire. Nous devons remercier moi-même avec vous. Nous devons reconnaître comment on a marché avec Yahweh. C'est belle bagaille pour moi-même avec vous. C'est belle bagaille. L'arrivée dans vous-même, c'est l'autre bagaille. Vous mes premiers, verset 8. Ok, tout ça c'est bagaille, bon Dieu, gloire. Vous mes 7, verset 25. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Tout ça, yo, je vous montre que nous pas à quitter yo pour ne pas parler de Yahweh. Pour l'importance, Yahweh gagne dans la vie moi-même avec vous. Je dis à nous bal gloire. Je dis à nous pomper des vols. Je dis à nous dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père d'amour. Et Thessaloniciens 5, verset 18, ça dit, il dit, en toutes circonstances, bye bon Dieu gloire. Parce que, il dit que, car tel est votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes circonstances, bye bon Dieu gloire. Mettez connecté à bon Dieu. Moi-même avec vous, je dis, il faut nous rester connectés. Yahweh bénit nous. Satan raillit nous. Pas coûter, pas tomber dans le piège. Chasser loin de vous-même. L'homme dit du commandement, l'homme mette l'emporte ou abdile chaque matin, chaque soir. Satan dit raillit nous. Les nous sincères en Jésus, Satan pas qu'à approcher nous. Satan pas qu'à faire nous rien. Les nous sincères en Jésus. Moi-même avant, faut nous sincères. Pour nous louer Yahweh, pour nous exalter Yahweh, pour nous magnifier Yahweh. Bah nous te référencions, c'est pour nous prendre force. C'est pour nous aller de l'avant avec Yahweh, pour nous bénir nous, pour nous exalter nous, pour nous magnifier nous. Moi-même avant, c'est de voir nous aujourd'hui. Pour nous pomper. Pour nous louer, pour nous exalter, pour nous bailler Yahweh gloire. Avant Yahweh scellé, petit lio, il y a moun là pour qu'on fait alliance. Nous allons aimer moun ça y répondre à l'alliance là. Nous allons aimer répondre Yahweh pour dire Yahweh, yo prêt, plonger dans l'eau, yo prêt pour marcher, pour sceller alliance là avec Yahweh. Le seul alliance avec Yeshua, yo prêt. Dis-nous prêt. Parce que Yahweh fait nos promesses. Et vous avez dit commandement chaque matin, chaque soir. Si on fait une crise, attendez, oui. Si on fait une crise, ou est que on ne peut pas être en prier. Mais deux mots pour répéter, ou qu'à répéter la même. Et Moshia à Mashia. Et Moshia à Mashia. Répétez la même. Et Moshia à Mashia. Et Moshia à Mashia. On fait crise là. On va gagner temps pour prier. On dit Et Moshia à Mashia. Oh oh, ange est envahi. C'est que l'éternel est embrassé pour le sauver. Moi-même avec vous. Yahweh bon pour nous. Il est bon pour moi, il est bon pour vous. Et Yahweh, ok, il y a toute puissance pour camper l'ennemi. Il y a toute puissance pour empêcher l'ennemi à approcher. Je dis, moi-même avec vous, on nous prend décision. Songez le message là bien, oui. Le message a parlé nous de création, comment la création était parfaite, comment Adam et Ève désobéit, comment Yahweh racheté nous. Et qu'on y a une belle gloire. Moun ki poukou baptisé. Moun ka fè wòk lò toujou. Moun ke Satan kembe nan chèn nan.
Nous demandons Yahweh pour nous casser chaîne ça pour vous. Monde que Satan enveloppé, il fait le gaga. Nous demandons Yahweh pour nous casser chaîne là. Pour nous rentrer dans la vie, pour nous transformer. Je dis à ce jour de grâce. Je dis à ce jour de pardon. Je dis à ce jour que Yahweh pour le sceller. Ou pas t'a même scellé. Ou pas t'a même Yahweh scellé. Ou pas t'a même servi avec Mossa et Moshia. Amashia, Emoshia, Amashia, Emoshia, Amashia, ce coup pour demander Yahweh. Yahweh a cassé chaîne là, ou a libre pour entrer dans les eaux du baptême. Le baptême dans là pour vous. Le baptême dans là pour vous, frère moi, sœur moi. Pas quitter moment passé. Ce moment qui est vraiment précieux pour vous. Ou pas venir assembler pour rien. Pas quitter le moment passé, pour pas plonger dans les eaux du baptême, pour aujourd'hui, pour pas communier avec Jésus de Nazareth. Pour dire où c'est l'alliance là. Et lorsque c'est l'alliance là, non écrit dans le livre de vie. Non écrit dans le livre de vie. Pour l'ayer Yeshua retourner, pour capable, sous mourir, pour qu'à ressusciter. Survivant pour capable transformer. Parce que je vous demande action de grâce ça. Nous pas connait action après action de grâce ça qu'a fait. Je vous a parlé de désastre, c'est vrai. Nous pas connait qui le désastre a fait. Mais nous connaît. Je vous a demandé action de grâce pour tout haïtien vienne remercier pour tout baptême ça yo. Et baptême pas fait seulement en Haïti. Baptême fait dans le pays étranger. Parce que l'Éternel te dit, peuple haïtien, pour évangéliser le monde. L'Éternel te dit, peuple haïtien, pour évangéliser le monde, il va faire évangélisation dans le monde. Évangélisation dans le monde, il commence. Parce que si vous avez un monde en Amérique latine, si vous avez un monde en dans États-Unis, si vous avez un monde qui est en Israël, si vous avez un monde qui est en Chine, si vous avez un monde qui est un peu partout dans le pays, dans la sous-terre. Ce qui veut dire, ça l'Éternel te dit, il est entré en pratique. C'est aux grâces l'Éternel fait peuple haïtien. Et l'Éternel commence la délivrance du peuple Israël là, en Haïti. Parce que septembre 2021, l'Éternel dit septembre 2021, une guerre mondiale spirituelle qui commençait. Elle commençait en Haïti. Et l'Éternel commençait en Haïti, c'est parce que l'Éternel voulait partir de sacerdoce en Haïti. Chandelier de la Nouvelle-Aboua, il représentait sacerdoce l'Éternel en Haïti. L'Éternel a parti à sacerdoce là pour moun tomber baptisé, pour venir derrière, marcher derrière sacerdoce là. Et ensuite, mon invité monde, mon bayou nan men, en aller de l'avant pour l'Éternel des armées. Oui, nous relons à l'appel. Le baptême dans la boue. Cet esprit là pour. L'abcelle aujourd'hui. L'abcelle aujourd'hui. Songez que l'abcelle ou. Pas faire têtu, quitter le rempli dans le cœur. Pour le transformer. Un jour, sur la mer d'hiver. Un jour, chanter les cantiques de Moïse et de l'agneau. Un jour, regarder Yahweh face à face. On va remercier Jésus encore. Pour dire Jésus merci parce qu'il devine racheter. On nous prier. Yahweh, toi, poisson. Que nous bénis, que nous exaltés, que nous magnifiés. Nous n'avons pas l'autre Seigneur, nous n'avons pas l'autre Papa qui nous doit aller. Mais que vous-même, Père, mes petits, yo vin devant face ou, gen qui enchaîné, Seigneur, casse chaîne nan pou yo. Gen, Satan fait yo gaga, fait yo revenu, Seigneur. Gen, Seigneur, c'est esclave de Satan, yo yé, retire dans l'esclavage là. Qu'esprit sont marchés, qu'esprit secoué monde, qu'esprit sont transformé monde, parce que Satan c'est menteur. On dit dans Jean 2, verset 6. Tout le monde qui dit, il y a un mère, il y a suivi, c'est menteur parce qu'il n'a pas gardé le commandement. Alors, ce qui veut dire que
message c'est pour tout le monde qui prend le commandement de l'Éternel à mettre de côté. Oui, il n'y a pas gardé le commandement. Et là, il n'y a pas gardé le commandement, il y a dit qu'il y aurait même, il y a dit qu'il voulait marcher même j'avant. Non! Apocalypse 12, verset 17, il dit que c'est ici la persévérance des saints qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus. C'est Apocalypse pas aboli du commandement. C'est Apocalypse pas aboli la loi de Dieu. C'est dernier livre dans la Bible là, parce que c'est la pour gens qui vivent plus longtemps. Quand on peut rejoindre encore, il va jamais aboli. Et pape qui a aboli. Parce que l'Éternel écrit avec propre droite, en prêtre l'Éternel, en dans la caillou. En prêtre l'Éternel, lui sous cœur. Oui. Il a pensé où l'Éternel voulait faire de vous-même, il l'autre monde, à je dis ça. Que l'Éternel bénisse, que l'Éternel change, que l'Éternel prend vie en main, et pour la vie éternelle, assuré pour le temps et pour l'éternité, que Yahweh bénisse, non, Yahushua, à Mashiach. À Mashiach, Jésus de Nazareth. Amen.